Fatshi Béton. Bientôt, le folklore du bétonisme va prendre fin et nous allons passer à l'étape de Fatshi Mouton, parce que tu es vraiment un mouton. Voilà la comédie que tu es allé jouer à Bruxelles. Tu succombes à une crise. Crise de la peur. La peur panique. Ta maman en fait un tas. Bien que nous sachions qu'elle soit vieille déjà, elle peut être toujours envoûtée par tout ce que vous avez comme fétiche pour garder le pouvoir. Mais ce fétiche, petit à petit, arrive au bout du tunnel. Yo pensa au canis sous allé président. Yo que nous proclamer que Banyarwanda bazali ba congolais. Mais cette question de Banyarwanda au Congo ne demande plus de débat parce que ça avait été tranché depuis longtemps par le parlement congolais de l'époque du comité central du MPR. Tout a été dit, les compatriotes Honoré Nkbanda avait tout détaillé dans ses livres. Pourquoi voulez-vous être des révisionnistes? Vous, le soi-disant supporter pauvre de Félix Tshilombo. Vous passez votre temps à tenir un parlement debout. Bientôt, ça sera un parlement assis. Vous n'avez pas autre matière que mentir. Oh, Fatshi Asali Boye, grande diplomatie. Oh, les Américains, bientôt. Oh, Basiba Komi na Brazzaville, bientôt, Balingi Bakatissa. Oh, Kingakati Ekwei. Oh, Bakangi Kabila. Oh, désormais Kabila. Vous n'avez pas vraiment honte de mentir? Il vous donne quoi? Il va vous donner quoi? Il vous donnera quoi? C'est quelqu'un qui ne connaît rien, il n'a pas été préparé. Il se base sur sa taille. Comme au Congo, tout le monde est presque grand de taille. Naza maître, il est aussi maître de la politique. Il croit qu'il est maître de la politique. Avec sa tête de citrouille, il croit vraiment qu'il connaît la politique. Il croit que la malignité, la ruse qu'il a de voler l'argent des banques, il pouvait faire autant au Congo. Eh bien, nous les Kivusiens, nous les gens de l'Est, je ne suis pas séparatiste, nous te promettons, toi Tshisekedi, Okomona, yo na batona yo, biloko bolukaka, bokozwa yango. Vous voulez scinder le Congo, c'est une utopie. Hein? Azarias Rubera, tane mounokono ezalaka boy. A ton âge là, tu es comme ça. Ce n'est pas différent d'un canard. Hein? Regarde comment tu es vilain. Tu voudrais t'accaparer des terres des Congolais. Toutes ces tribus là-bas, tu crois que nous allons te laisser? Nous allons te manger et nous allons prendre nos responsabilités à main parce que nous savons qu'il n'y a pas un gouvernement et il n'en a jamais eu depuis que Laurent Kabila est mort. Ne joue pas la comédie, monsieur. Tu vas voir ce que nous allons te faire, toi et tes complices. Tokobomayo na ba soi-disant supporters nayo qui ont des chemises vieillies, délavées comme si elles ont été mangées par des herbivores. Une bande de flatteurs, de voleurs et de traîtres. Tu remplis ton cabinet avec les gens de ta tribu. Et tu crois que les Congos ne s'arrêtent qu'à ta tribu. Espèce de voleurs et de menteurs. Fatshi Mouton. C'est votre compatriote, Djemadari Vibikilkilele. Je suis là.
L'actualité qui défraye la chronique ces derniers temps, c'est la tenue de la réunion d'une soi-dite mutualité HBL de Tutsis au Congo. Tous les médias font le focus sur ça, au détriment de massacres et de crimes commis par les Tutsis à l'Est et partout à travers notre pays. Vous les Tutsis, nous savons que vous êtes déterminés et vous ne voulez pas reculer devant quelque chose. Vous êtes un peuple sans honte. Vous vous dites que vous faites partie des 450 tribus et ethnies au Congo et que vous êtes parmi ces gens. Pur mensonge. Vous vous dites même que vous êtes originaire de Minembwe, de Goma et de Masisi, à travers la bouche d'un petit journaliste que vous avez payé, qui claironne le mensonge, si infamé qu'il est, il martèle sur un tel mensonge pour le faire passer pour de vérité. Eh bien, c'est Tshisekedi déjà que vous remerciez au cours de cette conférence ou de cette sortie. Il doit vous donner un terroir dans sa province, où il n'a jamais été d'ailleurs depuis qu'il est soi-disant président. Ne pensez pas que vous aurez un lopin de terre à Kinshasa chez les Bakongo, à Bandundu ou au Kivu. Même si vous continuez à dépeupler tous ces patelins-là, nous n'allons jamais vous intégrer. Vous êtes mauvais, vous avez chez vous. Rentrez chez vous. Nous ne voulons pas de vous. Ne parlez pas de la concorde, ni de la paix, ni de développement, ni de la lutte contre la pauvreté. Vous êtes un mauvais peuple, vous êtes des voleurs, des enviés, et nous n'allons jamais vous intégrer chez nous. Ne pensez pas que nous allons oublier. La solution pour vous, c'est de rentrer chez vous. Un peuple affamé, voleur. Vous n'avez pas honte de parler de la paix? Tu sais que dit Zoa Batonayo, tes beaux frères, Zongi Sabango, et pas na Bango, ou bien Kenena Bango, et pas na Bino, na Kasai. Au Kivu, nous n'allons jamais vous accepter. Minembwe n'est pas chez vous. Moi encore, Goma, n'en parlons même pas de Masisi. Même si vous continuez à dépeupler les gens, vous voulez fausser l'histoire de l'humanité. Une bande de voleurs, des enviés, des immoraux, des menteurs professionnels universels. Voilà. Jambo sana.